Mesdames, Messieurs, nous avons une petite réunion pour vous informer de la situation du 22e Salon du Mobilier de Fribourg. Qu'en est-il justement? Comment cela se passera-t-il? Se passera-t-il ce salon et aura-t-il lieu? Eh bien, nous avons, Mario et moi, mis tout en œuvre pour que ce salon puisse avoir lieu. On a pris contact avec la préfecture de la Sarine, de Fribourg. Celle-ci a donc accepté que notre manifestation soit reconnue comme une foire commerciale. Ce qui voulait dire qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire, il suffirait d'avoir les gestes barrières de base. Ceci était OK. La deuxième chose, pour éviter un problème financier comme en mars 2020, nous avons demandé à pouvoir bénéficier du parachute financier mis en route par la Confédération et les cantons. C'est là que le bât blesse actuellement parce que nous n'obtenons aucune décision et nous sommes à moins de, disons, à 2 mois de notre manifestation maintenant. Donc, il est temps de prendre position, de prendre une décision pour éviter qu'il y ait une catastrophe, pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. Le Conseil fédéral ne prend pas de décision non plus maintenant sur le pass sanitaire. Il a remis cette décision à plus tard. Et comme pour nous, Mario et moi, le pass sanitaire, c'est un, on va dire, c'est une décision personnelle qui doit se prendre, mais on ne veut pas en faire un salon où le pass devient obligatoire. Exactement. Voilà. D'autant plus que par rapport à la vaccination, eh bien, c'est quelque chose qui doit être, selon nous, être incarné dans un choix individuel et non pas de représenter une obligation pour l'ensemble de la population. Et pour nous, c'est vraiment très important d'être cohérent avec les valeurs, avec les principes, avec les messages que nous véhiculons maintenant depuis 30 salons, entre 30 salons du Meuvivre, entre Fribourg et Seignelay-Gier, où depuis autant d'événements, nous vous encourageons à être dans l'écoute de vous-même, d'être dans le respect, d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans le respect de vous-même et des autres, mais également de faciliter ce lien aux médecines naturelles, à l'immunité naturelle, à la connaissance de soi, à la spiritualité et à toutes ces formes qui nous semblent extrêmement importantes et qui sont contraires à une obligation d'entrer dans un événement de ce type avec un pass sanitaire. Donc c'est vraiment aussi pour nous une question de cohérence avec nos valeurs et puis avec ce qui est véhiculé. Voilà. Donc effectivement, dans ces circonstances et surtout à une date si proche de notre événement, hein, c'était prévu à la mi-novembre, on ne peut plus attendre. Il faut absolument que nous restions dans cette cohérence, nous restions dans l'esprit des salons du mieux vivre. Et donc c'est pour cela que nous vous annonçons avec beaucoup de regret l'annulation de cette 22e édition à Fribourg. Elle ne pourra pas avoir lieu dans ces conditions-là. Et nous le regrettons évidemment. Vraiment, nous recevons des emails tous les jours de vous, partenaires, exposants et d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Cette fois-ci, il fallait qu'on tranche. Et voilà, c'est avec regret que nous annulons cette édition. D'autant plus que, et ça tu l'as soulevé aussi tout à l'heure, nous sommes une association et en tant qu'association, c'est très important de pouvoir aussi anticiper les problèmes à venir aussi sur la base de l'expérience que nous avons vécue et nous avons et c'est vraiment important pour nous que les choses se passent bien et cela évidemment nous amène à la décision prise aujourd'hui. Voilà. Mais il nous reste à espérer pouvoir vous retrouver dans de meilleures conditions ultérieurement pour le salon de Seignelay-Gier qui devrait avoir lieu le premier week-end d'avril. C'est une date qui est déjà agendée. Et puis, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour vous-même et vos familles. Vraiment, prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère à très bientôt. Ouais, et merci aussi de continuer, merci de continuer de nous suivre, merci aussi de véhiculer autant de bonnes choses aussi autour de vous. Et c'est très important de rester aussi dans des pensées lumineuses dans les temps troublés que nous sommes en train de traverser. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.